Bonjour, Evaolé. C'est bon, les clémentines? Oui. Bon, il est pas mort, lui. C'est qui? C'est Marc. Je crois. Ah oui, tu vois quelque chose de toi. Ah non, tu vois la même chose. Tu vois la même chose, mais pas au même moment. Non, pour moi, ouais, ouais. Mais pourquoi t'as tué? Non, moi, il s'est échappé, le mec, là. Oh, bah moi, je suis... Mais non, pas moi. Je suis en train de faire un QTE pour qu'il s'échappe. Elle est en train de le voir déjà en train de courir, lui, limite. Enfin, partir, en tout cas. Et l'appareil photo, je l'ai... Là, je me fais pourchasser par le... Il y a un truc qui va pas. L'appareil photo, je l'avais gardé intact. Mais bien sûr, il est parti, connasse, t'as cru quoi? Bon, on a une grosse désynchro, là. On est toujours sur Dark Future Anthology, sans doute dernier épisode. Bête, hein. David et moi. Parce que. Parce que bon. Ça se passe pas ouf. J'ai des QTE ultra rapides à faire là. Oh oui, putain! Bah, moi je vois la scène que t'as vue juste avant, donc ça met longtemps. Mais elle peut pas monter sur des tuiles glissantes, c'est pas possible, ça existe pas ce cas de figure. Oh mon dieu! Ah bah, elle s'en sort bien en plus! Oh, j'ai des QTE de l'enfer. Dernier épisode, mais pas le dernier bug, oui. Faut que je trouve une issue. Effectivement. Je suis mise dans un casier. Oh merde. Le pire truc possible. C'est une bonne idée. Je vais dans la piscine. Allez, je vais. Arrêtez de regarder derrière vous, je vous en supplie. Putain. Ah, c'est une vraie main. Oh, une non, clé. Je sais pas faire. Elle ressemble à Brad Pitt. Oui. Complètement sur ton écran, à fond. Je me suis foirée, elle va mourir. Je me suis foirée. Non, regarde en face de toi, je t'en supplie, mec. Ah voilà. Merde, je me suis pris le mur. Se cacher ou courir. Je me suis tant... Putain, deux QT loupés. Arrête de regarder derrière toi, mec, je t'en prie. Où je dois aller, hein? Je vais mourir. On fait quoi, ma pote, là? J'avoue. J'ai une clé. Allez, go. Tire-le contre toi, le mec. Tire le mec contre toi. Oh, il te rattrape. Tire le mec contre toi, d'un coup. Je vois plus mon écran. Ah. Bon, bah, je suis mort. Il t'a tué? J'ai pas regardé l'écran, mais c'est obligé. J'ai dû m'empaler contre un truc. Comment ça, elle est encore vivante? Je crois que je me suis empalé contre un truc, mais j'ai pas regardé. Je suis tombé des 4 étages. Et je suis même pas empalé! Je suis encore vivante! Qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma chute? Je crois que t'as été amorti. Par quoi, il y a un truc, une barre métallique verticale qui m'entrait dans le dos? Mais non. On m'explique. Moi, j'ai entendu du bruit un peu. Là, j'ai le contrôle de rien. Là, c'est lui qui décide de tout, là. Prends l'énorme barre à ta droite, là, et défonce tout, mec, là. Ah, je vois plus mon écran, je vois plus mon écran. Oh, merde. Éclatez-le à deux, il a rien dans les mains. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Je peux peut-être les aider.
Non, ça sert à rien, mec, là, du coup, faut faire autre chose. J'ai réussi la respiration pour la première fois. Bien joué! Oh. Ok, faut que j'aille au phare. Let's go. On va vite fait s'il y a un truc à trouver. Ok. Bon bah j'ai... Je sais où je dois aller du coup, je dois aller au phare. Le phare, il était là-bas. Pas du tout par où passer, par là... Ah, par là. Ah, je crois que j'ai un souvenir là de comment qui va mourir. Ah! Let's go. Ok, je sais pas qui. Je vois le monsieur, le bandit, avec une barre dans sa main, genre en mode il va tuer quelqu'un. Mais dans une pièce à l'intérieur, un peu boisée avec une fenêtre. Enfin, genre comme un grenier, je sais pas trop. Ok. Ok. Enfin, on sait pas s'il va tuer quelqu'un, il a en tout cas, il a une barre. Il s'équipe d'une barre, quoi. Ça veut peut-être dire que si on en trouve une, il faudra peut-être faire quelque chose avec. La déplacer ou la prendre, bordel, parce qu'il faut prendre des armes. Ah, pas de bouffe, toi. Ouais, moi aussi, j'ai trop faim. J'avoue, hanté, tu parles de phare breton, c'est cruel. J'ai pas trop mangé aujourd'hui. Pardon. Je crois. Pardon. J'ai pas trop mangé aujourd'hui. Je me suis mieux, t'as m'entends pas. Pas trop mangé aujourd'hui? Que je veux pas très faim. Bah là j'ai sûrement un moyen de passer. Ok. Mince. Là tu peux parler pendant quelques secondes. Elise est là-bas. Mais moi je sais pas où on est là. Ah pas mort. Bien. C'est un labyrinthe, il faut que je retienne par cœur le labyrinthe, c'est une blague. Nous on est où? Non, c'est peut-être que ça peut t'aider pour un truc en particulier. Non, ça, je suis littéralement devant un labyrinthe et j'en sors et donc je retiens par cœur. Ah, mais juste retiens à quel côté tu dois tourner. Mais juste retiens ça. Pas où je suis. Ah merde, t'es pas au centre? Peut-être. C'est un endroit où t'as une flèche, je pense. Je sais pas. Ah non, d'accord, faut que je passe là. Prends une photo, comment tu prends une photo? C'est pas l'appareil et. Je peux pas dézoomer. Je sais pas si je suis en bas, à gauche, à droite, je sais pas. Ah merde, non, c'est le lapin que j'ai déjà vu. Mais ça me servait à quoi de descendre là, par contre? Où on va? Ah, les animations sont tellement longues, ça frustre. Ok. Alors je descends là. Et là, je descends là. Et là, je descends là. Et là, je vais de l'autre côté, je vais ici. Ah oui, c'est ça. Là, je vais là. Il y a des murs, mais je sais pas si ça veut dire que je peux les escalader, je peux les déplacer, je comprends pas la lecture du truc. Ah ouais, d'accord. Allez, donc faut que tu sautes là. Non, d'accord. Je peux pas sauter, bon. Est-ce que je peux sauter là? Non. On est d'accord que je suis censé pouvoir sauter là, non? Arrête de rater derrière toi, regarde en face, il saute! Non, bon, je peux pas. Et là, je peux pas non plus. Est-ce que je peux monter alors? Ah oui. Mais comment? Ah là! J'ai pas vu. Non, t'as pas la carte en fait. Ok, là faut pas me foirer là. Oh, faut tellement pas que je me foire. Ok. Ok. Passe de quel côté? C'est officiel, c'est là que c'est la meilleure. Merci. Oh, ça on le savait. Merci.
Scarpan. Donc là, descends là. J'arrive pas à comprendre la map. Moi je parcours l'intégralité de la map là. Moi j'ai l'impression d'entendre le mec à côté de moi sauver. Tu te défonce. Je crois que c'est le bon chemin. Hein. Partons du principe que oui. Il est où le phare? Il est pas loin? Si le phare il est pas loin, c'est le bon chemin. Si le phare il est loin, c'est le bon chemin. Ok. Ah mais non, mais je viens de là déjà. Ah, faut que c'est ce que je saute là. Oui, c'est ça. Bah, je peux pas demander à l'autre. Ah non, il y a du barbelé. Mais ça veut dire qu'il faut que j'aille vers le mec. Il a pas bougé? Une pièce. Dis donc. Elles servent à rien ces pièces. Hein. J'en ai 33. Elles servent à rien du tout. Ah oui, d'accord, ça me fait arriver. Ok, ça me fait arriver là, d'accord. Oh, j'ai mis du temps. Ouais. Arrête de regarder derrière toi, je t'en peux plus. Oh, c'est pas vrai. Ah. Vas-y, qu'il y a des tours, un petit peu. Qu'est-ce qui m'a pris de regarder en bas? Oh, chien! Hey, salut toi! Ok, tout doux. Tout doux, hein? Ok. Le problème, c'est que je crois qu'il est sur mon oreille sourde, je l'entends pas. Mais non, ne flippe pas! Le dogo, il y a pas. Non, non, non! Non, je vise pas, moi! Non, 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 moi je vise pas un chien! Ok. Tout doux. Voilà! Je savais que c'était la bonne réponse! J'avais le choix de faire du mal à un chien, je l'ai pas fait. Un chien qui avait l'air un petit peu agressif, en fait non. Voilà. Bah oui, attends. Mais ça se voyait qu'il était pas si méchant. Comment tu t'es retrouvé perdu ici? J'entends des bruits, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si le mec il s'approche de moi ou pas, c'est ultra horrible. Faudrait faire une petite dinde. Ah oui, bah c'est des. C'est un jeu qui est fait dans le même style et c'est les héritiers, je crois. Hein. C'est la même équipe. Hein. Si je dis pas de conneries. Oh, mais je suis encore plus loin, j'ai l'impression. Allez, le dogo, aide-moi. Et attaque le méchant si y a un méchant. J'ai un dogo qui me suit, dis-le. On est sauvés. Pas moi, parce que je sais pas si je dois me fier au son que j'entends ou pas du tout. Mais je pense que je vais pouvoir te rejoindre. Attendez. Oh, mais il y a son truc à faire. Faut que je passe par où? Je vais d'abord là. Allez, on va faire ça. Équilibre. Oh, j'entends des bruits, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être le chien. Des bruits de pas, Ou c'est peut-être moi que t'entends. C'est peut-être pas si loin, je sais pas. You have miscalculated. Évidemment. On s'en doutait, mais bon. Oui, bah parle en anglais si tu veux, mais en attendant, ça ne fonctionne pas. Là, parce que je sais pas quoi faire. Est-ce que je vais vers le son ou est-ce que je m'écarte du son? Mais si je m'écarte, en fait, où que j'aille, j'ai l'impression d'être vers le son. Je me demande si où tu ailles, t'as l'impression d'être vers le son. En fait, si tu vas, je pense que c'est un son. Un son qui te suit ou qui est de plus en plus fort ou pas du tout. Je me demande si ta carte c'est pas pour moi, sinon je sais pas.
pas aller là. Je vais essayer de t'aider. On part à l'ascenseur, le phare est en haut. Oui, mais le problème, c'est que j'y ai pas accès, quoi. Le chemin est fermé. T'es pas doué, mec. Enfin, je sais pas. En fait, goddammit. Ouais, goddammit. Goddammit, goddammit. Le dieu des mythes, le dieu des mythes. Regarde en face, s'il te plaît. Merci. Et les persos, ils te disent quoi, toi, Dilo? Ils parlent un peu entre eux? Non. Elle est où, Connie? Mais je sais pas où elle est. Je pense qu'on va la revoir un moment. Elle va nous aider, j'en suis sûre, parce qu'on l'a sauvée. Enfin, parce qu'on l'a pas tuée, surtout. Enfin, parce qu'on lui a pas fait de mal. En vrai, on aurait pas réussi à lui faire du mal. Ah oui, voilà, déroule-toi, c'est bien. Ah, j'entends aboyer. J'ai entendu, je crois, aboyer au très loin. T'as trouvé des trucs un peu? Attends, j'ai pas fini. Ah ok. J'avoue, le court-circuit c'était pas con, Sam. Donc tout là, pété là. Je vais regarder des objets. Oh, c'est le pire perso pour explorer les petites pièces. Ah, je crois que j'ai une vision. C'est une vision du prochain. Qui se passera donc dans l'espace. Ah. Je la vois. Sur l'écran. Petite vision bonus. Je me suis dit que ce serait plus facile de t'écrire car j'ai tendance à m'énerver quand je t'en parle. Quand j'essaie de t'en parler. Je ne vais pas bien. Tu sais que je ne m'entends pas avec Thomas. Je ne comprends pas pourquoi il doit toujours nous accompagner. Tu as toi-même admis qu'il était insupportable. J'en ai marre de l'avoir dans les pattes sans arrêt. Enfin, son fils. Hein? Oh. Bah, c'est sur Allo. Simplement. Je suis softlock, mais c'est bon. Bon, du coup, j'ai ça. C'est pour monter au-dessus du petit truc. Hein, pour monter genre au-dessus de ça, hein, c'est ça que je comprends. Bon, peut-être mal, mais... Ah putain. Mais voilà, on n'était pas en face de ce truc-là. Donc, à partir du moment où je suis en face de ce truc-là, derrière moi... Non, voilà. Non mais... Arrête de tomber, en fait. Je voudrais juste que tu te retournes une seconde. C'est le bas du plan de la map. La sortie est possiblement bien ça derrière au fond là-bas. Allez, donc je recule. Voilà. J'aille à gauche. Mais là, je peux directement aller à gauche. C'est quoi cette odeur? La caméra est beaucoup trop collée au perso, je vois rien. Je sais même pas ce que c'est ça. Quoi, c'est... Ok. Là, il y a un long couloir à droite. Vêtements. Un long couloir. Je peux pas y accéder.
Ah, salut Charlie. Ah oui, peut-être. Un plan de lumière. Discover the S switch. Ah! Tu peux rétablir le courant, genre. Je peux pas toucher, je pense. C'est de mon mieux, mais là, non. Y'a rien à faire sur ça. Ok, attends. Moi, j'ai accès à un PC. Je vais voir ce que je peux faire. Avec de charbon fond d'écran. Ouais, je peux rien faire. Je peux juste regarder. Trouver l'interrupteur manquant. Bah, c'est pas ça l'interrupteur manquant. Non, je pouvais pas ouvrir les congélos, mais du coup, je comprends mieux pourquoi. C'était pour maintenant, quoi. Oh, j'ai laissé un indice. Bah oui, en tombant le... Enfin, en tombant, en descendant... J'ai descendu aussi une tuile. Merde. Tu es calme. J'avoue que la loupiote rouge... Voir un peu. Allez, faut pas que je foire, faut pas que je foire. T'as combien de pièces? 33. 29. On est proche. J'étais dans la même pièce que le tueur, mais ça va, il m'a pas repéré. J'ai réussi aussi la respiration pour la première fois. Alors ça veut dire que je risque rien si le tueur il est avec toi. Ouais, là pour le moment, mais après je suis en il vient de sortir et on est tous les deux en extérieur, on est plus tous les deux dans la résidence. Donc, il est sûrement pas loin. Mais je pense que tu moi peux te promener la... un peu plus J'ai la fameuse poignée qu'il me fallait. Le tueur il est dans le labyrinthe. Oh merde. Tu peux rien faire avec ça? Merci. Mais Lox, Lox. J'ai rien fait. J'ai Jamie avec moi, la fille. Elle est censée être morte. Quoi? What the fuck? Non, bah elle est plus là. Elle était là il y a deux secondes et elle est plus là. Attends, ah ouais, c'est parce qu'il y a des bugs de... Ouais. Il y a des... Oui. Pu être vivante. C'est ça. C'est qu'elle aurait pu être vivante à ce moment-là et parfois le jeu il a pas toutes les scènes sans les persos ou alors il bug un peu sur l'affichage des persos. Effectivement. Attends, je vais avoir du... Oh, oh merde. Dieu. Ok, plein de cadavres. Nice. Bonus est bloqué. Ah ouais? J'ai du QTE là. Hein. Restez pas là à la porte, les filles. Mais ouais, elles sont idiotes. Pas déplacé ça? Moi je saute direct. Il m'énerve être tout le temps comme ça là. Ah mince, je voulais explorer plus, je pensais que ça il ouvrirait juste un volet. Ah ouais. Ah non mais je pensais pas qu'il ferait tout ça. Oulala, et tout ce qu'il fait. Ah non, je pensais pas du tout. Je voulais juste. Ah ouais. Oh là là, ça a enchaîné complètement, je voulais juste observer derrière un paravent. Besoin d'aide? Oh, oh. Irine, je suis content. Oh, ça skip de ouf, j'ai pas du bien. Tout voulu que ça skip comme ça. Du coup, elle va bien ta... Je suis heureuse que t'ailles. T'es avec Eri, toi, non? Elle était parce avec moi, il y a une... Où sont Kate et Jamie? Bah, parce que vous vous êtes enfui, non? On était séparés dans les bois. Bah oui, mais ensemble, on était collés. Jamie. Bah, elle dit, on s'est séparés dans les bois, elle dit. Quoi?
elle est morte. Et elle me dit, Jamie, elle est morte. Ah bah oui, Jamie, elle est morte, oui. Bon sang. Ah merde, mais je pensais pas du tout. Possible. J'ai vu un paravent, je pensais que je l'examinerais tranquillou et qu'après je continuerais. Je suis à deux doigts de craquer. J'ai trouvé mon truc. Venez. On doit continuer d'avancer. Bon, en tout cas, moi je suis avec elle, donc peut-être qu'on va réussir à te retrouver. Ça veut dire que t'es pas trop loin non plus. En toute logique. Chiant, mais oui. Normalement, ils mettent des petits tirets quand ça va faire la suite. Là, vous avez vu, c'était pas le cas. Pas des tirets, vous avez des petites flèches. Moi, je sprint. Des petits supérieurs à 3 ou inférieurs à 3, je sais plus. Inférieurs plutôt. Ouais, inférieurs. Il va falloir qu'on trouve comment ça marche. C'est par là. Oui voilà, santé. Non, alors bah écoute, elle était avec Jilo, donc elle est bien vivante, mais effectivement parfois le jeu pense qu'on a sauvé plus de monde que ce n'est le cas. Et quand on y jouait lors du marathon avec mon frère à l'autre, c'était un peu l'inverse sur certains plans, on voyait qu'il manquait des persos qui étaient pourtant bien en vie avec nous. Je déteste quand on est... Regardez comment on est proche du perso. Laissez-moi observer un peu. Recule. La caméra recule. Secret trouvé. Ah, du Smet, et cette fois du Met, à chaque fois il se met. Il est artiste. C'est comme H.H. Holmes. J'ai vraiment comme H.H. Holmes. Trouver le tueur. Ah, l'identité du tueur. Ça s'appelle comment ? Maurice. Attends, je vais dans pause. Ouais, vas-y, vas-y. Position des personnages. Dans quoi ? 300 piranhas pour dévorer un humain de 80 kg en 5 minutes. Info du soir. Oui, mais ça ne se passera jamais comme ça en fait. Tout comme tu peux te faire dévorer par des marmottes. Hein. Mais en soi, c'est pas parce que c'est des piranhas que tu ne te feras dévorer. Bien au contraire, de fortes chances pour qu'ils n'en aient rien à foutre de ta tronche. Alors, et la voilà. Carte que j'ai trouvée, c'est le permis de conduire de Francis Morello. Mais rien ne me dit que c'est le tueur. Ok, Morello. Ok. Bon. Tu poses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Tout à fait. Mais ouais, le coup des piranhas, sachez que c'est un sacré cliché. Et que vous avez plus de chances de vous faire dévorer par des hamsters que par des piranhas. Oh ! Secret trouvé. C'est toi ou c'est moi ? C'est peut-être toi. Eh bah écoute, j'ai une liste de gens. Hector Whelan. Moon Day, Leonard Camp, Brandon Day, Benjamin Pitzel, Cole Roger William. Dans les bois, je pense vraiment qu'il faut tout observer. C'est là où on a plus d'indices. On dirait que c'est une liste de tueurs qui... Je sais pas. Preuve. Affaire machin. Date de récupération. Oh merde, je sais pas ce que c'est cette affaire. Ah, il y a Brandon qui était rajouté au feutre, enfin au stylo. Bon. Dumet. Va te coucher, Cortan, si tu es tout fatigué. En plus, t'as l'air de flipper. Mais c'est gentil, en tout cas, de rester malgré tout. Liste de noms d'emprunt ? Ah, peut-être. C'est peut-être une liste de noms d'emprunt, effectivement. Mais j'ai pas vu de Morello. J'ai pas vu Morello. Et il s'appellerait Hector quelque chose. Moi, le mien, non. Il s'appelait pas Hector. Non, non, non. La liste des noms qu'on a vus. Je crois que j'ai entendu bruit à côté de moi. Bonsoir, Canichette. Comment ça va ? Aïe. Encore une pièce, bon je commence à en avoir quelques-unes. Hein. Elles me servent à rien mais j'en ai quelques-unes. Piranhas qui les attire, c'est le sang. Non, même pas tant que ça en fait. Ils ont des proies bien spécifiques et bah ceux qui sont rentrent pas là-dedans, ils s'en foutent quoi. Comme beaucoup de prédateurs. Hein. Là je suis à 39 pièces. Mais non.
sortie officielle. C'est là que c'est meilleur. Oh, ça, on le savait. Je peux pas monter. Là, j'entends rien, moi. Je suis pas de conneries, non, ils sont pas spécialement tirés par le son, très honnêtement. Moi, mon pont, il va se casser, là, c'est pas possible. Et merci pour l'annonce. Oh, j'en peux plus de rien voir avec ce perso, franchement, j'en peux plus. La caméra, elle est collée à son épaule, on voit rien. J'ai envie... Ça, regardez! Peut-on être plus collé encore, s'il vous plaît? Et ensuite, les flashs me font mal aux yeux. J'avoue que... je vais re-regarder quand même vite fait. J'en profite vu que je remonte. Allez. Le premier, c'était Leonard Camp. Il y a une main au-dessus de moi. Une main de mort. Ah ouais, j'en ai vu une aussi arrachée. Shed, l'abri. J'ai appris de l'abri. N'ouvre pas cette porte. Ok. La clé de l'abri, c'est quoi? Mais c'est de cet abri-là? Je pense qu'il vaut mieux. Peut-être mieux pas que j'aille dedans. Si tu vois un cadavre dans un abri, tu rentres dans l'abri ou pas? Franchement, s'il y a... Je me dis bon... S'il y a un cadavre, c'est que le tueur il est déjà passé, il va pas repasser tout de suite. Bon, c'est un raisonnement Waylon un peu spécial. Ignore Ellen Monday. Hector Waylon Monday obtient le diplôme de licence en psychologie. Ok. Et son nom ce serait de Dumet, du coup, un des noms d'emprunt, si c'est bien ça. Si notre théorie est bonne. Mise déchirée, on l'a vu. Trouve un secret. Ah merde, cadavre d'homme, cadavre d'un homme découvert dans un abri, on lui a coupé la main droite, il semble qu'il soit mort en se vidant de son sang, le cadavre était celui de Francis Morello, il a sa photo, se sont permis de conduire. J'ai trouvé sa main, elle est dans la piscine. Oh. Je pense que c'est la tienne. C'était une main droite, merde. Je crois. Pourquoi j'ai cliqué là? Continue. Ah pardon, je crois que j'avais appuyé sur un. Oui, mais des fois ça t'annule après. Ah oui. Moi j'ai trouvé la manche de ce mec là. T'as trouvé la... Moi j'ai trouvé le cadavre en plus, t'as trouvé la main. Moi ce qui me saute c'est que là je suis un peu coincée, je pense qu'il me faut une clé. Oh non meuf, tu vas me saouler. Bon, je vais attendre qu'elle passe. Je vais redescendre peut-être. Avec mon perso qui tourne en la tête en permanence et c'est pour ça que les lumières sont constamment tournées. Parce que le perso tourne la tête. Parce que bah c'est un peu mal foutu. Toujours extrêmement... la caméra est toujours aux extrémités, on dirait. Là, j'ai trouvé une pièce. Et là, vraiment, on peut pas sortir. Franchement, c'est pas très haut pourtant. Bon. Je comprends pas comment vous êtes là-dedans alors que vous étiez dans la forêt il y a 2 minutes. Bah c'est un petit truc, c'est un truc dans la forêt en fait, mais dans la forêt. Pas tout à fait dedans mais... Moi ma musique elle me fait peur là. Hein. Sans le putain de drame dans quelques minutes. Ah mais oui, il restait ça à examiner, pardon. Monsieur Dumet. Ah. Je veux... Voix de Charlie. Non, c'est... J'y crois pas. J'y crois pas non plus. On dit... Alors j'ai trouvé un enregistrement de Charlie, notre chef, qui dit qu'il veut qu'on meure. Oui. Sauf qu'en fait, c'est modifié. Oui, voilà. C'est modifié. Il a modifié l'enregistrement. Il a enregistré leur conversation, c'est un mais... Montage. C'est très propre. Non, mais faut j'aurais pas fait mieux moi-même. Mais maintenant, je peux pas juste me barrer en courant. Ouais, grave, moi je suis censée aller dans un... dans un phare. Ce que je fais, ça n'a rien à voir. Oh, j'ai un vieux moustique dans le jeu. Oh, une clé. Oh, j'ai entendu oui. On dirait qu'il y a un autre bateau sur l'île. Ah, c'est une clé de bateau. Ça fait 2 fois que j'entends bouger un placard ou je ne sais quoi.
mais c'est pas le couple du début, ça? Marc et Jennifer Edward. Non, c'était Marie et je sais pas. Le chien, il est dans la baraque? Non, non. Enfin, il est parti en courant, en fait. Donc il peut être partout, là, parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu. Il était tout content, il m'a fait la feuille, puis il est parti. Tout seul, mes parents m'aident. Ils sont tous les deux très vieux, je reviens. Attends. Clarence, je t'écris cette lettre pour te donner des nouvelles. Voilà 6 mois que je ne t'ai pas vu. Tu as un fils, j'ai accouché il y a quelques semaines. J'ai besoin de toi, je n'y arriverai pas. Toute seule. Mes parents m'aident, mais ils sont vieux. El Mundo. Ah, Lucina! C'est pas la mère de HHM, ça? Ah bah, il est gentil. Il ne t'attaquera pas, il sera tout mimi. Il a un pied dans le dos. Je crois. Ah, le dogo? Ouais. Oh, faut que tu le sauves. Bah, moi, il allait bien. Pour chasser, là. Mais si, sauve-le, il va te défendre. Choose the dogo. Moi, je suis sûr que le chien, si on l'aide, ce sera payant. Le jeu, il nous récompensera. T'as cramé, Charlie? Si, si, mais c'était un enregistrement, je pense, qui date de quand il a appelé pour demander s'il pouvait venir visiter la maison ou je sais pas quoi. Non, non, c'était un enregistrement, ouais, qui date d'avant, ça c'est clair. Oh, oh là là, mais je monte tellement haut. Le chien, il va me faire cramer, là. Il est en train de faire du bruit, ce crétin. Mais justement, il va partir en courant, et du coup, tu le lâches un moment, et du coup, le gars, il dira, ah, c'était le chien qui faisait du bruit. Tu vois? Bah, il sait que c'est le chien qui fait du bruit. Il se demande juste pourquoi le chien fait du bruit. Si je me foire, je vais mourir. Come on. No way. Ouais, toi tu parles plus jamais en français en fait, mec. Je suis face au tueur. Face au tueur. Face au tueur. Allez, chien, attaque! Moi, j'y crois vraiment. C'est moi qui suis mort ou c'est le chien qui est mort? Ah non, c'est la canette de tomates. Oh, il a mordu les. Pourquoi il m'a loupé? Parce que le chien l'a attaqué en fait. Et oui, non, je savais, le dogo. The dogo is the réponse. C'était sûr, faut toujours sauver les dogos. Ah, d'accord. J'ai rien fait, hein, on est d'accord. C'est pas ce qui vient de se passer. Le jeu, il a décidé de resynchro. J'ai rien fait, on est d'accord, hein. Je sais pas, je... Ça ressemble tellement à Brad Pitt, dingue, ça. Génial. Je suis marché devant un laser, va y avoir une détonation. Ah. C'est peut-être vous qui allez exploser. Sortez de là en... Oh putain, je suis avec vous. Je crois que je suis avec vous. Ah, bah si tu... Si t'es au phare, t'es avec nous, ouais. Ouais, mais j'ai marché devant un laser. Ça veut dire qu'il va exploser lui en passant, tu vois. Je sais pas. Non, t'as rien fait. Ouais, c'est pas ce que tu me disais. Hey! Là-haut! Kate! Hey! Derrière-toi, mec! Bah, je. Exactement la même. Je sais pas ce que je pouvais faire. Oh, je le marave là! Prendre la hache, prendre la hache, bien sûr, prendre la hache! Je vais trouver Erin. On est derrière la porte avec toi? Kate? Non! Non mais pourquoi Kate? Mais c'est quoi cette réponse de... Oh je le déteste, bref, c'est pas grave. Tu m'as putain, tu m'as sauvé. On est trois quoi, on est trois. C'est pas mal, c'est pas mal. En vrai c'est vraiment pas mal.
C'était sûr qu'elle était morte, elle. Et qu'en fait, c'est un enregistrement d'elle qui le mettait. Je suis sûr qu'elle est morte. Derrière la porte, connard. Partez en courant, partez en courant. Partez. Partez. C'est pas toujours... Okay, attention au QTE, hein. Ah, mais Erin, elle est là, hein. C'est juste que, bon, bah, les plans, ils sont pas toujours... voilà, je sais pas. Mais allez dans le coin, Erin. Lui, il a le don de juste marcher, ça, ça m'énerve. Tout le temps, il marche. Ouais, ouais, parce qu'il y a pas besoin de courir, quoi. En tout cas, j'ai la clé d'un bateau. Ah ouais. Ouais. Et on peut... Alors, je sais pas où il y en a un. Comme pour le fin. Oh bah voilà. Hein. Take place. Ça se trouve c'est un policier. Ouais, c'est un mannequin. Je dis faut pas lui faire. Je suis tellement sûr de lui, il court même pas. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça là? Y a des mecs morts par terre. C'est pas vrai. Ah. Tout le monde les mains en l'air, tout de suite. Oh merde. Ah c'est. Il les a tués. Silence, taisez-vous. J'ai dit tout le monde les mains en l'air. QTE, hein, QTE. Faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Vous êtes là, heureusement. Vous allez nous aider. Voilà, j'ai fait calme. Tant que j'ignore ce qui se passe ici, personne ne bouge. Mais débilos, derrière toi. Oh. Monsieur. Monsieur, derrière vous. Non, le ça, bateau. Ça marche pas, ça. Vous vous fichez de moi. Mais tu sens... Tu sens pas l'odeur? Tu sens pas le feu? Oh le flic nul. Oh, ça va nous tirer dessus. Non. On en débloque des bonus. Hein. Pendant qu'il est en train de tuer le mec. Prenez l'arme. Prenez l'arme. Prenez l'arme. Faire un petit truc. Courez. Non mais oh j'ai une tête. Attention, ah, il doit y avoir quitté à mon avis. Vite. Ah, je suis... Franchement ouais. Prends lui son arme. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. J'aurais fait pareil. Saute dans l'eau, d'un coup, Allez. Par là. Ça va le faire. Et tu le balances pas la clé, tu le... Ouais, grave. La pour être sûr que ça tombe dedans. Tu m'étonnes, tu le colles dans la ça main. Ça marche là. Pas. Oh, le démarreur. Ah, là. Merde, démarre. Oh, le Togo, viens. Hé, hey, hé, Connie. Ravi de te voir. Allez. Allez. Oh, prends Connie avec nous. Franchement, j'en fous qu'il y ait deux morts si on sauve un chien. Personne qui surveille le chemin là. Bah non, parce mais qu'ils sont ils sont 15 dans le bateau. Ouais. Regarde enfin, lève les yeux. Ah non, mais elle le sait. Les deux morts sur le ponton, en fait, c'était le père et bah, c'était une fille, je crois, qu'on a vu au tout début. Qui nous a emmené bah, monsieur, soi-disant monsieur Dumet, qui n'était pas sûrement pas lui en vrai, qui nous a amené à la maison et qui nous a dit au tout début. Ah, mais t'étais peut-être pas là au tout début, Sam. Il nous a dit en ah, gros. Mais tu sais quoi ? Moi, je crois qu'en fait, c'est ce que c'était un échange. Le bandit l'a dit ouais, à monsieur Dumet. Enfin, je pense. Dumet, tu pourras survivre avec ta fille si tu t'es. Oui, un échange. Je pense que oui, clairement. Il voulait pas plus de meurtres, donc il voulait plus de monde. Je suis contente d'être en un seul morceau. J'ai cliqué sur X. Mais c'était bon pourtant.
J'avoue, ça m'a fait rire tellement c'est what the fuck quoi. Oui, ça veut dire que c'est un choix d'avant. Merde, excuse-moi. J'ai fait. Oh merde, on est dans la merde. Mais je me disais aussi. Qu'est-ce qu'il foutait là, le branleur ? Il était parti loin d'ABR. C'est con, c'est quand même un peu con. Tue pas le dogo ! Ouais, il a fini à l'eau. On a des ralentis comme si on pouvait faire quelque chose, mais on peut rien faire. Il a enlevé son masque. Il a enlevé son masque ? Ouais. On sait qui c'est ? Bah non. Alors mon personnage l'a vu, mais la caméra a bien tourné pas dessus. Mais moi je vois un monsieur métis, c'est comme le gars Morello là. Francis Morello. Moi j'ai raté. Ah ben non, pas du tout. Ah. Oui. Pas du tout. Il est pas du tout. Faut que je fasse quoi ? Faut que je fasse quoi ? Il me dit pas. Fais quelque chose que. Meuf ! Braque. Ah, okay, si. Ah oui, d'accord. Non, 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 mais c'était un autre. Le mec métis, c'est celui que, qui est mort et qui a une main en main. Oh là là, j'ai plein de côté, toi aussi ? Moi aussi. Allez, là, j'ai réussi, hein. Moi aussi. Il se passe quoi, là, Ox, là ? Il se passe qu'on le défonce. Si, si, t'inquiète. Mais oui, bien sûr. Malice, c'est maintenant qu'il faut le pousser, là. Prenez la hache. Schlaquez-le, putain. Oh merde. Bonjour. Faut pas regarder, faut pas regarder. Je vais retourner chercher le dogo, moi. Viens, on tourne. Ah, moi j'ai un plan chelou. Ah voilà. Je pense pas pire que The Quarry. Ah bah voilà. Mais franchement, je t'invite à regarder Little Hope parce qu'à part le début qui est un peu nanardesque, le reste est vraiment beaucoup plus réussi au niveau de l'ambiance et tout, je trouve. Enfin, Little Hope, celui qu'on a fait, où je mettrai les VOD, je ne sais pas quand, mais celui qu'on a fait avec mon frère cette semaine, mais là, je trouvais que c'était moins nanard. Sauf au tout début. Au bon moment, la dernière minute. La bonne oui, mais ça, ça on a déjà eu avec mon frère quand on l'a fait l'autre cette semaine. Et en fait, ça veut dire qu'il y a un truc qu'il fallait qu'on fasse avant, qu'on n'a pas bien fait. Du coup, bah même si tu rates, tu réussis ton QTE, bah voilà. Oh, j'ai faim, j'ai envie de manger des chips. Oh, zut. Merde. Ralente. Non mais restez pas sur la route, c'est dangereux. C'est ça la vision du bateau qui explose. Ah oui, tout à fait. Et ils étaient là, plantés au beau milieu de la route, à agiter les bras comme s'ils sortaient tout droit de l'asile. Et vous, d'où veniez-vous ? De Fort Wayne. Je conduisais depuis... Voilà, donc on a sauvé que du gars. Ça fait tôt. Bah en fait, j'essayais d'arriver... On a même pas sauvé le chien. Heures. Ah si. Je suppose que c'est nager, fichu maintenant, hein. Ça me semble comprendre. Regarde jusqu'à la fin, c'est important. Bon, je tu regarde. Sais quoi oui, oui. Je vais y réfléchir pour le studio à Brooklyn. Je vais voir si ça peut marcher. Mais non, mais mec, t'es pas en deuil là ? Après ça, ça me dit bien de repartir de zéro. Oui, oui. Ouais. C'est. Mais je pense que c'est sa copine qui a survécu là. Et tu me promets de me donner tes conseils même quand je te les demanderai pas. Compte sur moi. Franchement, on a sauvé le chien, je suis contente. Hein. Il faut venir plus près de nous là. C'est un gros câlin avec le dogo. Avec Connie. De la voiture de police, c'est le cœur. Ouais, ce serait trop drôle.
sont ultra chillax, mais oui, ça se dégoûte. Ouais, je coupe le jeu à Alt F4. Bien sûr que je regarde jusqu'à la fin, vous inquiétez pas. On va en apprendre plus sur le conservateur, j'imagine. Oui, c'est des grands thèmes du merde. Deux de sauver plus le Dogo, c'est important à préciser. Pourquoi c'est pas fini? Oh, c'est juste une... un truc pour qu'on en sache plus sur le conservateur et pour un peu introduire la suite. T'inquiète pas, c'est fini. On aura plus de QTE et trucs comme ça. Oh, vous êtes là. Et nos pieds, ça sont servis à quoi ? Toutes les bonnes choses ont une fin, certes. Mais était-ce une bonne fin pour notre équipe ? Hélas, hélas, il y a eu quelques pertes. Alors, repose en paix. Charlie. Ah. Je crains fort que la saison 2 ne soit jamais produite, finalement. Erin, tuée d'un coup de hache. Oui, alors Erin... On n'aurait certainement pas dû laisser à la portée d'un tueur psychopathe en fuite. Mais on l'a pris, la hache. Et Jamie, ça rend on ouf. Débranche tout, les lumières s'éteignent. Malheureusement, je crois que remplacer le fusible ne suffira pas cette fois-ci. Et qu'en est-il des survivants? L'expérience les a-t-elle changées? Kate avait un secret. Elle a été marquée par un événement survenu il y a bien longtemps. Ah oui, la mort de sa mère. Elle a affronté la chose qui l'effrayait le plus au monde et elle a survécu. Et Mark, il a dû arrêter d'attendre qu'on lui dise quoi faire. Il a fallu qu'il trouve sa propre voie. Bah c'est vrai que le narrateur, je sais que c'est aussi hérité de Dying Light, où c'était un psychologue qui orientait le jeu en fonction des réponses qu'on lui donnait lors, ses dans, lors de ses entr'actes. Pardon. Comme toujours, instructif. Mais effectivement... Nous reverrons, je n'en doute pas. Un jour prochain. Adieu. Ok, c'est une sorte d'église. Ah, du coup, le masque, est-ce qu'on va voir la tronche du tueur? Ah, peut-être pas s'il a été déchiqueté en morceaux. Ouais, c'est vrai. Mais on va voir, quelqu'un va le prendre. Non. On va voir quelqu'un prendre le masque. Oui, c'est vrai que sa tête, on le connaîtra pas en fait, donc on s'en fout. Mais quelqu'un va reprendre le masque et puis voilà, ça va être éternel. Ouais. Sauf que c'est le même mec, hein, qui finalement aurait survécu. Je sais pas à qui il parle depuis le début, bah nous. Il parle à nous. Le déroulé des événements est encore incertain à l'heure actuelle. Mais nous pouvons confirmer qu'à 7h30, un routier a été stoppé pour apporter son aide. La police alertée s'est immédiatement rendue sur les lieux. Les survivants font partie d'une équipe de tournage, Lonit Entertainment, la société qui produit la série documentaire Architecte du meurtre. Oh bah merde alors. Ils semblent avoir approché d'un peu trop près leur sujet d'étude cette fois. Et malheureusement... certains n'ont pas survécu. Quoi qu'il en soit, le calvaire est maintenant terminé. J'hallucine! Vous savez que ma vidéo est devenue virale? Comment tu veux qu'on l'oublie? T'arrêtes pas de nous saouler avec ça. Quoi? Ouais, j'ai fait le nombre de vues qu'il fallait pour gagner un grand concours. T'as gagné quoi? Un voyage tout frais payé dans un hôtel Simpson, sur une île pour 5. Là, tu m'intéresses. Ouais, Monsieur Dumet nous enverra une limousine et tout ce qu'il faut. Oh! Ça va être le gros truc de ouf. Et voilà, ça va continuer. Enfin bon,
J'espère que le prochain, ça aura pas rapport avec un hôtel nul. Enfin, un hôtel chelou. On avait un truc dans l'espace. Il y a un mec là, il y a un mec. Ouais, mais t'inquiète. Ouais bah ça, bah après j'imagine qu'au fur et à mesure des jeux on en sait plus sur ce gars. Bon après, on est fait que deux sur les quatre. En a cappella, c'est sympa. Générique. Voilà, c'est bon, la torture est finie, Gilo. Et vous, combien de personnes auriez-vous fait survivre à la fin? Auriez-vous sauvé si vous aviez le jeu? Quel choix auriez-vous fait? Bon, en tout cas, j'ai sauvé le dogo, je m'en fous, c'est mon truc que je voulais. Voilà, c'est très important. Merci, monde dynamique. Merci, c'était quand même sympa. Bon, un peu. Un peu compliqué pour Gilo parfois. Ah là là. Mais c'était cool en tout cas. Merci de l'avoir fait avec moi. Ah là, je m'en peux moins. Attends, apparemment, je dois encore attendre. Ah, une scène post-crédit. Je vais faire des jeux d'horreur. Non, j'aime toujours pas ça. Moi, je vais dormir là. Énormément beaucoup effrayant. C'est fini, Cortane. Tout va bien. Now death, please give me time to fix my heart and change my mind. Bon, j'espère que ça vous a plu, le chat, un petit peu. C'est nombreux tout ce temps-là. C'est vrai. Merci. Je peux pas vraiment à scène prendre mon chat dans mes bras. Hein. Bah oui. Dans un état, il est... Ouf. Non, je peux pas vraiment. Il est... Ça serait de trop l'embêter. Musique est sympa en tout cas. Ouais. Je ferai plus de live comme ça, tu me promets. Ah, j'en ferai peut-être sur les opus précédents avec mon frère. Parce qu'il a bien aimé la dernière fois. Geekette, elle adore les jeux qui font peur. Ouais, je crois qu'elle les a déjà fait, je crois. Ah, on peut aller à la fin. Attendez, je vais aller à la fin parce que c'est un petit peu long. Même si, bien sûr. Oh, gueule. Ah, voilà, on a un petit spoiler de la fin. Bah oui, de la suite. Le Cassiopeia. T'inquiète, je sais pas si j'ai déjà dit au stream, mes phobies, enfin les films que je déteste le plus au monde, sous-marin, fusée,
Avion. Ah ouais, le côté claustrophobie un petit peu. Donc là, là, tu me montres un truc dans l'espace, et en plus un jeu qui fait peur, c'est Into Premiere, 80-20. Dark Picture Detective, ou Directive, non, Directive. Ok. Et ben voilà, c'est ainsi que se conclut le quatrième, si pas... ah oui, quatrième opus de Dark Picture Anthology, Devil in Me. Merci beaucoup, Bandai Namco, et je vous dis bisous la VOD. Au revoir.